à tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des deux EAP et décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. Décollage parfait, en début de vol, la puissance est impressionnante. 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Après une montée verticale de 5 secondes, le lanceur a basculé vers le nord-est. Il maintient ainsi son attitude pour garder l'axe du lanceur parallèle à la direction de sa vitesse, et ceci pour minimiser les efforts aérodynamiques, et ce, jusqu'au largage des deux EAP. On a passé Mach 1 en 48 secondes à l'altitude de 7 km. La pression dynamique maximale a été atteinte en 1 minute et 8 secondes. Et c'est ce qu'on appelle le composite inférieur de la fusée qui travaille. Il désigne les étages de la fusée qui sont allumés au décollage. Constitué de l'étage principal cryotechnique, le PC, 188 tonnes au décollage, il alimente en oxygène et hydrogène liquide le moteur Vulcain. Il est encadré par les deux propulseurs à poudre, ce sont eux, les EAP, presque entièrement réalisés en Guyane, qui assurent 92% de la poussée. Ils sont identiques. Leur masse au décollage environ 278 tonnes chacun. Ils assurent une poussée moyenne de plus de 540 tonnes. Et c'était, pour les anciens qui nous écoutent, 8 fois la poussée d'une Ariane 44L. Je ne sais pas si cela vous parle. La hauteur est équivalente à celle du petit lanceur Vega, soit 31 mètres. Ils sont composés d'un tube métallique contenant le propergol solide, la poudre ou perchlorate d'ammonium, et d'une cuillère. Et chaque EAP consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Et vous l'avez compris, une fois allumés, les EAP ne peuvent pas être éteints, d'où le danger en cas de défaillance. Et après épuisement de la poudre, vers 137 secondes après leur allumage, les EAP sont séparés du lanceur à 60 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. En fait, avant que ne soit totalement vide, leur poussée va diminuer, et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord décide de se débarrasser des propulseurs d'appoint. La séparation est effective, vous l'avez vu dans la seconde, et ils ont été séparés de l'étage principal cryotechnique par une découpe pyrotechnique, allégeant le lanceur de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun. Quel beau spectacle, regardez les deux AP qui s'écartent du corps du lanceur. Alors, pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du lanceur à l'aide des petites fusées d'éloignement. Et on fait exploser leur carcasse avant qu'ils sombrent en mer, pour éviter tout risque d'épave flottante. Après la séparation des EAP intervient très vite, dans la minute, la séparation de la coiffe. Alors l'ATV était protégée de toute pollution, de tout danger et de tout échauffement pendant la phase d'attente au sol par cette coque en matériaux composites que l'on appelle la coiffe et qui est construite en Suisse par UAC Space. La coiffe de 17 mètres de hauteur a protégé aussi l'ATV pendant le vol dans l'atmosphère. L'intérieur de la coiffe est climatisé et pressurisé, et pendant la traversée de l'atmosphère, sa présence a amélioré considérablement l'aérodynamisme du lanceur. On va s'en séparer, cela veut dire que la protection n'est plus nécessaire. On a dépassé les couches denses de l'atmosphère au-delà de 100 km. Il n'y a plus ni frottement ni risque pour l'ATV. Et on a déclenché le largage de cette coiffe à l'altitude ce soir de 110 km. Voilà la coiffe qui se sépare. Vous avez les deux demi-coiffes qui s'éloignent comme deux grandes ailes qui battent dans le vide.